à cet endroit, papa Simo Kimbangu, un certain dimanche, les blancs les trouvent. Kimbangu, allez, prends le balai, nettoie ici. Tu ne vas pas déserter? Kimbangu dit que dimanche, moi je ne peux pas travailler dimanche. Et là, tu n'as pas à nous imposer, nègre. Allez, vite, prends le balai. Papa Simo Kimbangu prend le balai. À coup seulement de balai, une fois, deux, allez, flamme. Le balai s'enflamme. Il dit, voilà, qu'est-ce que je vous ai dit? Si vous avez déjà vu un balai avec une flamme, c'est en prison, papa Simo Kimbangu. C'est ici. C'est ici. Ici, il y avait un perroquet qui aimait beaucoup s'amuser avec lui. Il aimait beaucoup déranger ce perroquet qui était ici. Comme nous savons que c'est l'envoyé de Jésus qui peut-être il causait avec lui des choses que nous, on ne savait pas comprendre. Et voilà. C'est ça que sommes. Quand on l'a amené là-bas, les prêtres l'ont suivi. Un prêtre l'a suivi pour dire Kimbangu, acceptez qu'on administre les derniers sacrements d'extrême onction pour que vous alliez rencontrer Jésus. Sinon, si tu meurs comme ça, tu ne verras pas Jésus. Kimbangu lui répond aussi avec une question. Êtes-vous un véritable serviteur de Dieu? Oui, dit le prêtre. Si tu l'es, alors dis-moi les jours que je vais mourir, l'heure, date, mois et année. Oh, le type s'exclame. Comment ça? Comment personne ne peut connaître la date de la mort de quelqu'un? Même les gens du ciel ne connaissent pas. Seul Dieu qui connaît ça. Il dit, oh, voilà, ce que je vous ai dit, vous n'êtes pas les véritables serviteurs de Dieu. Moi-même, je sais la date, les jours, les mois, l'année, l'heure même. Je sais. C'est alors qu'il appela papa Sokobanga pour lui dire que Sokobanga, viens, je vais te dire quel jour je vais mourir. Je mourrai le 12 octobre, cette année 51, à 15h, un vendredi. Mais ne dites à personne, jusqu'à ce que cela se réalise. Alors vous allez témoigner. Ayimo Kristo ya Catholique na jali ngombe pesi mazali mokongo na ibiko globali kamwele kutate o na mwana kina miso. Sikawa abenginga lime albi mwana ngai pomikesi. Tuli langa na bamindere eloko nini ba yiko salawa. Nganga lingina na treme na na yi na le kapona albi na ngai tika. Marubani ni alingi baringi koloba na koloba na bango. Panda na yo treme na yo. Bo. Simo limero en malobana ye atuni masele kasimir atuni ye albi yo nasango na yo bino ye kosala nini masele kasimir motabongola ye malo albi to ye kopesa ye mafuta masuka poza ye na malade Simo limero en alobi na bango albi tala na kopesa bino apiso moko soki bino yebi likambo wana ngana kondima kopesa ningai mafuta masuka. Je suis Régime Enkeye depuis la France. Alors ne bougez surtout pas, car vous êtes sur Kimbangu 21, number one. Il est en UK. Kimbangu 21 is the best. Kimbangu 21 is number one. If you want to know the truth about Papa Simo Kimbangu, keep watching. Kimbangu 21. Kimbangu 21 is the best channel. Keep watching. Keep watching. Vous êtes américain. Eu sou a Marlene. Falo a partir de Angola. Você está assistindo Kimbangu 21. Voilà, cellule de 10 ans. Après avoir constaté que Kimbangu n'était pas agressif là-bas, on va maintenant le transférer ici. Ici, il va faire 10 ans. Maintenant, jusqu'au 4 octobre, le 4 octobre 1951. Alors, on les trouva très tôt matin, assis là-bas. Et les soldats de garde ainsi que les prisonniers qui étaient là disent, mais tiens, quelqu'un qui est là-bas assis la nuit ici, c'est qui? Les soldats ont regardé. Ils sont venus tout près. On a trouvé que c'était Kimbangu.
vite, ils sont allés dire au directeur des prisons, Monsieur Sylvestre qui était là-bas, qu'on s'y nommait Kassombo. Allez voir Kimbangu est à l'extérieur. Cet homme ne veut-il pas fuir? Il est venu vite, avec peur. Quand il a vu Kimbangu à l'extérieur, Kimbangu, rentrez dans les questions, rentrez vite, sinon la Belgique, si la prend ça, moi je vais mourir. On va voir comme si j'ai comploté pour vous faire fuir. C'est alors que Kimbangu lui répondra que je ne rentrerai plus au cachot. Désormais, c'est terminé. Mon cachot est terminé. J'ai été condamné à Tisseville le 3 octobre 1921 au tribunal de Tisseville. Hier, le 3 octobre 51, c'est-à-dire j'ai accompli 30 ans, comme convenu avec le Seigneur Jésus-Christ qui m'a dit accepter de faire 30 ans de peine. Hier, j'ai complété 30 ans et aujourd'hui, terminer ma prison a pris fin. Et c'est fini. C'était ici alors? Oui, c'est nous qui avons fait ici. Il était assis ici. Il était assis ici. C'est si on l'avait trouvé assis très tôt matin. Et maintenant, les Blancs disent, oh, Kimbangu, il n'a plus parlé. Quand on lui posait encore des questions, il ne savait plus parler. On s'approche maintenant tout près pour voir. Tiens, il est malade ou quoi? On regarde, ah, nous voyons les coups gonflés. Il est malade, il est malade. Amenez-le maintenant à l'hôpital Saint-Douai. Nazari Mokito, il y a catholique. Nazari Ngombe, puis c'est Nazari Mokongo, Naïbu Kublovali Kambo, et le Boutate, on a moins qu'un ami. Sikawa, à Beninga, il y a un Arbi Mouanangaï pour Mikes. Tous les langues n'ont pas mis de l'éloquent ni Bayeko Salawa. Ngana Ringina, Natreme, Nana Yana de Kapuna, Arbinangaï Tika, Marubanini, Aringi Baringi Koloba, Nakolobana Bango, Panda Nayo, Treme Nayo. Bon. Simo numéro 1, Malobanaye, Atuni, Marcel Casimir, Atuni, Ari Yo, Nasango Nayo, Bino Yoko Sala Nini, Marcel Casimir, Motabongola Gie Malo, Arvito Yoko Pesa Mafuta Masuka, Poza Yena Malade, Simo numéro 1, Alobina Bango Albitala, Nako Pesa Bino Apiso Moko, Sogubino Yebi di Kambuana, Ngana Bondima Pesa Ninga Mafuta Masuka, Kasi Sogubino Yebi Amote, Oko bima limbango, oke ndeni nabino. Bo, uwana, bisinyo sona batu ya boloko, to telemi, tuja ko talaga ndengi ya leolo bano wa mindele wani. Na senkere ya tongo. Na senkere ya tongo. Uwana se kumi, senkere ya tongo peja wana, esi matongo bandi kutalani. Bo, atuni, alubi bo, ngai simona tuni bino, basango, na bamasele na bino mibale wana. Oye ba, solo penja, soki yo yoko pese nga mafuta masuka, yeba mokolanga simu na kukufa lelo, tolobi, tombula, kusi soki bino tangi yango, oko pese nga mafuta masuka. E soki bino tangi yango te, na kubenga na bino. Bino bandi ngai soki na jago kufa nde motuna, na ngai, na miso, na njambe, na bino bamendele, ndenge bino saringa mabe. Na jago kufa malale, tena kukufa mituna. Sima na mituna na ngai soki na kufi, bino bamendele, oko mona pase sima na ngai. Et si gaya lobi boyo ba masere nyonso ba bandiko bima bango na mon père ba bimi bake tango ba bimi bake to tikari na 6h penza ye moko akamati si to kuse yo ya yemi ba deja ki kuse misa to na moto misa to na makoro akamati mi bare ko na pandi si na makoro yo na kuse mo je na makoro ya pandi ro ko na ngi na li boyo alobi bino bana na ngai ba to apisoni tremeni nyoso okuya kuzinganga na zaina liro balero pona ko yebesa bino pena mi bale lero na kokufa na toazere ya mbui ezaki mokolo nini wan ezaki mokolo sa mitan okule 12 octobre komisi mitan sikawa ngai na malubana ngai na tuni nde kuna ngai jambe ro posi muni nga ngai soda na mono ko lamboka ngai bikoma lini nini mobale yo tatawe azena malali makasi te aluba kokufa na toazere kokufa na ndenge nini oyo ndeko na ngai wana abongo ni maloba abi jezefu ndeko na ngai yo tango biso tozalaki bana tozalaki woka sango na simo mpaka tozalaki bana oloba na moto likambo moke yo bongoli simo pe bakangi biso na mosala soda toyi tokengeli ye na boloko tomoni miyalaki na ye ndenge ye alobi bia na sindi na biso boyo tokotala kaka akokufa lokola iseki zambi sango na ye etambo ye lokola yesu tika koloba ndenge wanga abi wapi likuta akufa te moto azali malali te malali moke boyo pasi ya moto pamba akufa ndenge nini mbo ayebisi bato ya boloko boyo abi bana
lokola ngana ko kufa na 3 heures ya moyi bino ko bosa na likambo ya nzambe te na zako yebe sa bino ba sudan ba bana na ngai ba sudan misato ba pumika ese bazali ko woka ngai na ko kufa na 3 heures juite na mibale ko sambela nzambe mikolo nyonso moke boyale 3 heures moyi 20 3 heures moyi 20 wana ale abengi baninga na ye nyonso ba tena pizo ba yelo ko ndenge ya alu bakili boso abibana Telemeni na jana malubana suka pana kwenye pesa bino. Na prisonier nyoso wana bazaki na kat na ndoro yisa vete vile. Ebele, bakondani, ve kondani. Ndako wana, mwoto msusu ya pamba koto te bele, bakondani na kat na fizyo wana. Soka jana malali ba yego tia ide wana. Mokebo yu hali, na tuwezele mweven, abingi si bango. Aliba nangayaka, makamungana lobaki, ese koki sikawe ringe koka. Tango bango baye ba tremi ba zingi bisope ba sedami satu wanari to tremi kaga wana ngai toga pepe na ye boy wana bazo telema na ba bunduki na bunduki to na to tremi kaga boy ye oyo apandi na kusina na ye boy ba to yo kwa ezali boy ya zaki na ipana gosi na mulongo ya ba mbeto ya gosi ndoka ndala ya golana mbeto te na sena na sima tango wana ikumi boyo yeko koma 3 heures moins 20 abengisi bango ba ye ba telema alobi bana malobana ngana suka awi ngana za kufa na 3 heures zite bino moko kotala balele yango yo zaina na bapumikesi na za kuloba likambo ya sola likuta te kobosa na likambo na nzambe te azali kopesa penza mungongo makasi abi likambo na nzambe kobosa na te bana ngana za kufa na 3 heures zite tango wana azalo bana mwana kwenye na Swahili ube na Lingala azalo bana Lingala na Lingala penza ayo na biso penza azalo bana biso na Lingala fwa biso batu mingi bazayi wana sanga sanga bakondani mingi bayibu mangala bayibu mangala bakubongo la maningi na bangona na Kiswahili bo alobi bo sikawa pumike esi mwana nangai bino salimu sana soda pe bitumba utambini sikawa lukua bino otika libwe tama kamo msue tumba msue kubima eloko moko kusala bino te ari ya kana liboko na yo ngai isa kwa bango na kamati liboko na ngai mero ena duat na pesi ya boki soi wana mbara mibale abengi malengo kamin omuni ngana ngai wana pumike es malengo kamin aboki soi mbara mibale ezembe lo posi ndenge moko si jibo ekomi toazere zut abendi paka kusina ye wana na moto mibale moko tika iko na bakezi di corona ye mosusu tango bakezi wana alibi bana tika malamu bote ngai na sia ke na ngai lokwa ndenge ngai na lobaki na bino na kufa yo na kufi ezai motuna na ngana miso amindere akamati liboko na yeye mbadi atute wana panje na ki mbala moko ajongeza tuti 3 ona gosi ndenge moko dokora mbala sisi amani paka akweli kuna matala na yewana kupema te nini te okuwa mota kufi te lali kaka ndenge wana donc asali matata te lokoma matata ta mokete tango ta tika ta boyo nye makare kare nye wana ngana lobi exemple le poste ajobe exemple le poste ajobe moni lika mangana lobaki na yo tala ngati na lobi dikambote na kamati telefone wana to jai telefone misato na kati na ndoro wana ngati mero e telefone na ngai numero de telefone na yina kati oya suka kona na kamati na ngana tuni na dikitere mose kasombo oyo dikitere ya ndoro Narudi kasombo yaka noki sima kufa na 3 heures mondere wana ya simo nani ya pizo wana mse kasombo albi pumika se dalu bali kambo solo na albi ya solo yaka noki albi kukutanga albi solo penga mokebo yo yepe na kaye na bati na ya kumi kuna na pote kuna atiki bati ya koti tangu wa koti kuna akeko kamata munganga major Ebi kombo ya munga ngawana? Munga ngawana wa zao benga ya mungombe. Mungombe. Peye alungula kifaka ispare na kisaza. Tangu yangua yebi nano Kiswahili maramu te. Adoku lupapaka mangara. Munga ngawana wanyoso matiti kaka. Mola ibo. Bayi na bango. Bango mibari. Bayi batele mili bosu na simu tete. Eloko moko basi mito tunayinano. Ezarite. Sikawo moke. Owe masere oyo. Ayaki na sango bango yoso mibale masire kasimi na ba kata ibe balandi bango batali simo ala libo te batabandi ko ba muno ko na mboka tete bela ngana kote wanano nana bafugite ale munga majoro ba bimi bango yoso
bakena bidonaye pa bidonaye zaki pa kana na katina na hôpital bakai ko téléphone kona tang ba téléphone kona a ba mendena soda ba sopani ba demitater ba mendemboka ba sopani kona ba yiba tout penza tima na biso bo ba bandiko loba te monokona ba ngona framain moto moko asimbina noye azalite mindere ba tonde ko tonde balobani bo tete are bona res ni citrique bona res aye bangona jena e bona kian ba ye ba tremi balobani frama tete mon rambo ka banda banina na biso ba yaki pona okombola biso wape komi 4h30 moeza ite bango mostekazo balobi bino tereme kuna biso toja ko tede makambo nini sino kufi na baninga na bino basoda ba ko ye biso biso makambo ngere ka tabutu bino ko kende kaka bino panda inano kaka wani siga wana banja balobani boy tete na moni isitriki bwana yes aye abenginga komekes yo dali moto na wapi ngana lobinga dali ngombea ya risa tete na isitriki tala tete wale boja abi wi ngai na sami musana sopuna na jake komanda e pana bino lokola ngai na ya wa isitriki kwa masanga nga soda siri na zali mondela na mayere balobi yo dali mayere zali isitriki awa ngana yibina ngaki swele te na tuni yo moto na mangala penza tonga na pani na mboka na bino oye besanga eloko nini tango sima kufaki malobani na lobaki na bato mwana ngai na lubina yo bwana eres atremi ale bwana kiana oyo jona zaki na boku go na zaki ko loba makambo moko na mundere wana isitriki wana bwana eres bazaki ko koma na mukanda moko na bandi baka lokula ndenge sangwa yaki kopesa mafuta masuka na ndenge maloba ya lobaki na ndenge ya abimisi bango na ndenge yo abenga ki batre bloko na ndenge ya sagi biso makambo yonso tu na yebe sinyo to bajako ko tandikana na mukanda te na suke zinga alobitala yo zali sitiriki maloba si malobaki na yebe kolekeza te ngana zemo krito lokola suka na maloba na yalo baki yango soki lukuta tuna bakondani nyonso na maninga na ngaba soda bazali prisa ngai na ibuko leke zairo bai sujite suka na maloba na simo alo baki wana bo na ndenge yonso tu oyo abete ki maboko na ya watangwa kufi ba yoko benga tangu basambi singai wana te siri ba bengi aguste azai moto na isangani mwana mubali wana mota bandaki ko pasura bato moto muindo liboso ni mero tango na ba forma ya kala mwana wana donc c'est quoi yo balingi ko sala autopsie siga babengiye ba bengi abiste alali mbula jomi na libwana mashana munganga bongo tango zago zambi ko na isa beti vidi mosi soka kufi ba ko pasura ye mubali kufi ba pasura ba tala malali mwana ndenge moko ba bengi abiste ba bengi abiste ya ka abiste ye ye munga nga mazola bandiko lo bana ye ni mui mbango akufi awa na basindiri na yu pe basindiri wa yilelo ye ako lala paka wana awa na pizoyo na kati nani na boloko awa bongo na sije bino ko bimesa ye ko tia na samol bino ko pasora ye yo wakuite aguita lo bina misu na munga nga mazola abi yo munga nga mazola zia mundere sima tangu isangolo kula yezo ngai na joage zida wa likolo na makambo yu sima tambo isango ngai na ibiko pasura ye te soki ngai ndenge musuni na pasuri ye ngai moko na ibiko pasuka na ibi te yo munganga majoro yo moko kopasura ye abimi na tanda ke abi ngai te bino moko kopasura ye eye kokoma na 8h30 ye bamunganga wana bazaki bango misato na bamase balwati bilamba ya pembe ali isopane bakamati ye musuzi ya muhindo babakizi bate balagayo ya pembe awa maboko bakei bakoti pona kupasura simo tango bapasuri ye oyo wana tango babandi kupasura ye oyo mwende pona biso aguste ya moto mwindo oyo ya boyaki wana yepe aleki yake kokoto pona kutara bo tango bazali kupasura ye wana tiringe kuma na neve biso nizali kumona batiri nizali koya ibele batiri tondi na hopital bazali kokoto kuna nzoka nde tango bapasuri simo misopo ezali te biloko na libumu ezali te owana minde batelefoni kala bango moko bazali koya pona batala na miso po makambo na minde balingaka bamwana na miso
talabato bamindere. Bon, na mona kaka gusta bimi. Amoninga bio tata gaito, tali kamboyo tata ya kupaka na mission Nairobi, njoka ndelo ko ya jabiko Twitter bo na panjina yo, alunguli biloko na inyo sona ribu. Mi suppose arite, mutema zarite yango bamindere ba telefone, bango moko ba ya kumona makamboyo ya miso. Ni debori ba memi biso, to zongi kutika ba toboro. Biso mitu kama mimi biso tokei na mboka. Mkona pose? Mkona pose wana. Voilà. Le 13 octobre 1951. Voilà. Bon. Sika wana tongo etali mkona dimanche. Bakenda kunde mkona ya pose. Mkona pose. Mkona pose ndi bakenda kunde. Kasi ba pasoe paka mkona pose. Tango bakundi eboni ba. Bon. Jabo kende te. Ilo ba yango nyoso mbona jabo kende nangu pana ko suku za yango. Sika wana ale biso tokei na mboka. Tongo tani dimanche. O wana tango bake kunde mkona pose. Babimisi bapushi jomi na mtoba bapushi tango za hibi koti mutani balobi bino oko kende na dita na simu oko lala wana makambo bino oko mwana oko yako la kezani mbizi soba kumushe doba polisi wakio lala simetia vala kokenge la dita kokenge leye tango bapunde mko na post doko balalari wa balalari kuna kwa uka kongaiti tango bangu bapushi balalari kuna tango tani bangu bamona giri kambo mongote ba yuko futa la polo bona ba nevele tran biso ton dimi apele siria eto paranga eto bimi na besi pona kumere luka ndenge vizu wa soldato mesene to tambo liko na te linge kumana dize njo kande tumbandi kumwana bakelo babandi kubenga biso na kelo njo kande tango wana kumusele moko ajariko kende na mvine kasaye landi elungu lipaka wana dima te na kwa degati te kuna na mumimele sika basaka jama bongo tango kumisela wana zago ye na tukutuku na ye ayego mwana suda moko azali na buku ndenge ya buku ya simu zambi tango ya kufaki buku ekima kina wamendeba zago mwana sisi te suda wana funguli ya ngobo azali kuya malende paka na babara zago tango kumisela zago ye na vati na nani tukutuku na ye amwani bo ya lobi yo suda inuari buku yo zivwa ya lobi buku na ngai suda wana lobi na yebo soge zaka soda te zaika kaya moko saki boyo ba mwana nangai na yo o wana to yegite sika wana kumusta ya tremisi ya lobi pese ngai buku ya lobi na kupese pona ni buku nangai tango simo akamati buku wana na lana luba paka ye moko wana soda wana akamati buku wa pese kumisele kumisele misapi na ye komi zomu misapi ya liboko misapi ya liboko e komi zomu e komi zomu bato ba soda ba zago ya wana ba lobi o soda yo so azonga kwa na mboka o kumusele wana talibu ya kamati tukutuka ke a komiso ki 100 mete mwete mwana ya pachwa di tse ndenge ni natiki nwale na likambo yu do kwa simba ki subuke ya mwana a zongi zaki ye gota mwa zongi zye misapi na zongi ndenge leza laki mwete mwana mundele pachwa ki a di koma ba soda yonso yo biso to kitambo lagi to zago ya kana babala ba kumusele ba telefoni bango ba zago sala biso wapi biso tu na bilamba na biso paka kodu kwa bo ali ba zongi biso ba soda tutu e yenga wana biso to melekite tout na bataillon na bataillon oh ce dame ko bimate bere basi na bango baza ko bima ko somba biloko donc a kufi vendredi le 12 octobre na voilà. Na 3h to 15h eh. O makambo yo mona mokolo na yenga mokolo na yenga le 14 eh bon sika wana ale tongo tali mokona dimanche na nani na lundi ale to ndime ape na tongo para compagnie mondele ma mende ba bito sika wana ale bino nyoso basota moto na moto bimate na monoko na ndako na ye babanduko fungula biso ba sanduku oje na sanduku nayo alikiteza ofungulio moko wa mamindere ko luka mabuku biloko nini soka ba monite loko moko ta bitaba kuta na biloko ya lita mwezefu makolo bate ba bibi so za luka paka buku samba te buku eza kina simo so da moko za kina ngona maboko basali yangu ko luka biso titititititi bo banda muto bakundage moko na pose mukona lendi biso pikso mukona mibale na misatu na midi na misatu na midi tiga molongo ya wana kisasa uja ko kanga nasa yoka tiga molongo na kisasa ba bi otika ko nyoko ni basoda kuna na isa vedi vidi pamba muto wana tomoni na hotel njina wana midi sino imbangu ba moni na hotel na hotel apandi ale ba mindere ba para kupanya ba bandiko yebe sabini biso ba bia makambo wana siri moto wana to lukaki makambo nae basha yibi makambo nae kuna na isa kwa tv na leporo vili batindiri biso tegara mwavu bako saa isa kwa batu tabi kichote eza haki paka ye moko
asali makamuna ye wana izali abaruka gindi nesoda asali makamuna ye batata na ba mama na poko wana na le 12 na lungwe na biro na kamati velo pate na kena na gari ya kananga na kuma na post poatena kana ku na pesa tia velo isika wana na kanga poatena kana ku tala soko tambu susu na kuku mwana mtu alongwe na Lubumbashi tangwa na Elizabethville poatena kana kuiba nini dikamizali kueleka kuna na Lubumbashi bina Elizabethville tangu na 10 na kiti na velo apene poatena kana isika kuna na tre mo pepe moko yelinga na kwesinga na mabele e na monita to moko si bibelo lituna na ye okay kutona papa kubanga na yete akamatu velo na ngai ngape na tuni kasiyo nani na 10 na 13 je semana tali na vatu tata moko avwandi abe joseph oyo kutuna sangwa tata na yo kubanga na yote azali na ye tre yangwane keyi ndenge ni wana bo ngampenda kama tinzila na ye kulubana mama makama na moni ise persinga ite ndenge mama asiya ibaki soko ni kama ndenge toke kubondela na zali kuzila kaka te leta lubana ngai tata no ya kufi kasi le 12 jusqu'au 24 le 24 wana tongo wana na ibite soko loko nini ngana aliaki na kaina na biro na mwani guvernera ye na kaina tela mili boso na ye na lubi bien yo zali asasa belena luba wana lubaki na guvernero penye alingakinga mingi ayibaka ba secret na biso mingi tango na lubinde ya zali ya sasa alors na moninde ya tali nga biso makasi nga pe matali ya miso makasi ale solo na lubaka na ye makambo wana ikukake kulubamba na mukunji wana te pamba tena tango na soko lubinde nga bake kupandre yo ye kadisime Joseph de Kamunini alubi tata na ngai azali wapi o tata na yo azali na ye kuna na Elizabethville alubi che bin buzali yo samira kate yo lo baka yo azali catholique 100% catholique 100% bundimi na bino lukuta solo na lo baka na ima kama be soko zala ki mundimi papa kufi depuis le 12 okolo balanga te na sala kana yo mukolo na mukolo yo koko ko nyore de kama ndenga na te penya du tang wana moni ne ndenge na choli ye a vraiment siliki ale vitela ma wana na kupesa telephone sikasika na kolege na ngai ocho soko na uki ete ya kufite antuka ngai na yo na yibite ndenge ndi kamuna kusala okusala nga pedi kamute ngai na zale ebongo soko okini okufi nga na kusala nini tang wana kitsiton mwana oya lobaka ngai kamati telephone ngape na telami noki bapesi message solo simo kimbangu kufa kibanda le 12 octobre alors gouverneur général lubaki na lubana yote mpwana nini yo linga ka Joseph mingi de père ko kulubana yesangwana ayaya tango yo bango mi bale ba kamatani malgré deux collègues de l'école ba kamatani na téléphone vraiment lubaki na ye de bon luko la gouverneur général pe ezali collègue de l'école ngai na ye lelo to kokuta na pe na téléphone soko zala ki ntango yo ne ba fyo ya ka vitesse nenge boye ay na ibite tango alubi na ye na moni ne penye a lembi akamba ti pe téléphone atuni na kisasa na tina nini yo gouverneur général oluba na gouverneur ocho ndi alubana ngai te de peur ke na communiquer nouvelle wana na Joseph or ke ye ayibaki yango bande le 12 yango ale lelo ayekusakana na ngai
ezali faute na yete ezali faute na yo antoka ngape nazali susu na isengo pande na sala nazala susu wa pamba te boxing a sony tango alubina ngai ah c'est vrai ozana raison kusile kana yo pamba te vous avez perdu un être cher votre père akufi solo. Eh bien, Tangwana, Tozalaki, moi, très unis. Na président Nabisu, Makamumanso, Oyo Masara Makana Mokolwana, Kuna Nakananga, Tangwana Labour, Ngai éprouvé, Kasi Makamananga Nyos, tu es dey, Mutasaraki, Ngoye président. Pamatewana, Azalaki Caporal. Mais Ndengi Tozalaki Naboka Nemingi, les maisons voisines oh yaye wana na ngamba balabala ngai na ngamba balabala donc ku vande naye makambo basu naye ezala ki nanda kunanga yi mais le cola est prouvé. L'endroit que vous voyez là-bas en cercle là-bas, c'est là où les prisonniers recevaient chaque matin les coups de fouet autour du mât des drapeaux que vous voyez. Alors en ce moment-là, le blanc, il est à côté d'eux, il est en train de commander. Celui-là, on appelle les noms, il arrive là, il détermine le nombre de fouets qu'il doit recevoir. Donnez-lui 5, l'autre 4, ainsi de suite. Mais si c'est le tour de papa Simon qui manque, on l'appelle là-bas. Voyez qu'il y a les barres de fer là-bas. On ligote les deux bras là-bas. Et puis, ici, les jambes. Alors, les soldats commencent à donner par deux mouvements, on compte pour lui. Un coup, il faut pour cela 120 coups de fouet, ce qui veut dire 240. Une, deux, et donc une, deux, trois, les mouvements comme ça. Ces lieux, c'est un puits de torture. C'est-à-dire, après lui avoir donné des coups de fouet là-bas, il constate qu'il y a des blessures sur le corps. Il y a des gerçures. Eh bien, on doit maintenant l'acheminer ici, le plonger dans ces puits où ils avaient déjà mis de l'acide. Il y avait un robinet. Quand ils ouvrent là-bas, eh bien, le puits est rempli d'eau. Eau mélangée avec de l'acide. C'est dans les soucis de l'achever immédiatement. L'achever immédiatement. Cette cellule qui accueillit papa Simon Kibangu à son arrivée, il ne fera que 7 jours dedans. 7 jours seulement. On l'a retiré d'ici. Pourquoi? On les redoutait. Comme quoi, il peut fuir. Selon eux, il peut fuir. Comme ils voyaient ici ouvert, il n'y a pas quelque chose qui peut l'empêcher. Alors ils disent non, 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 comme ici le ciel ouvert comme ça, alors un risque, il y a risque de les trouver déjà partis un jour. Alors comme ça, il faut l'enlever. Et c'est cachot porte le numéro 87. C'est cette cellule ici qui a accueilli papa Simon Kimangu lorsqu'il est arrivé d'abord. Quand il fit arriver à Lubumbashi, c'est le premier cachot. C'est la cellule où il fut incarcéré durant 7 jours seulement. Kwa jazi sabu madu makamunu kwa disewa
station, cette cellule, et là où se trouve un cadenas, c'est-à-dire c'est la cellule de 20 ans. Après avoir constaté que là, à la première cellule de 7 ans, de 7 mois s'il vous plaît, pardon, de 7 jours, comme on les redoutait qu'il pouvait fuir, on devait l'amener ici pour deux raisons. Pour deux raisons. D'abord, il y a les traverses au-dessus qui forment un plafond et qui ne peut pas réussir pour fuir, selon eux. Et après ça, à côté de sa cellule, il y a une autre cellule où fit garder un fou, un homme déclaré fou, Mwambaka fou tué. Et alors, ce fou tuait beaucoup les gens. Comme on avait l'habitude de pendre certains prisonniers qu'on trouvait avec des motifs graves, alors il arrivait des fois, au lieu de les pendre, on dit amenez dans la cellule, il y a son frère fou, il va l'achever. Au lendemain, on trouvera la personne déjà achevée. C'est encore une des raisons qu'on avait essayé de profiter pour amener Papa Simon Kimango là-bas, afin qu'on les trouve peut-être un jour déjà achevés par son frère. Mais est-il qu'une fois que Papa était encore là-bas, il avait fait ce qu'il avait encore fait avec la noix de palme qui était pourrie. Ce type, la première préoccupation de Papa Simon Kimango était d'abord de guérir le type. Il est devenu une personne saine, à tel point qu'il est devenu son ami et il commençait déjà à causer avec eux dans l'amiable. On venait espionner. On trouve, quand lui parle, Papa Simon Kimango rit beaucoup, avec joie. Quand Papa Simon Kimango parle, il y a réciprocité. Alors, les Blancs ne savaient pas que faire maintenant avec un tel type. Et dans cette cellule, Papa Simon Kimango a donné des consignes à ce type-là. D'abord, lui dit, vous ne serez pas tué ici en prison, malgré qu'on y pend les gens. Toi, tu ne seras pas tué. Parce que, malgré que tu aies tué déjà un Blanc, ou bien tu as battu un Blanc, la raison pour laquelle tu as été incarcéré, mais pour la tuerie, on ne te tuera pas. On te relâchera. Tu vas regagner ton village. Mais, une fois regagné le village, va chercher une église qui baptise les gens au nom de Jésus-Christ. Que vous soyez baptisés pour que le jour de votre mort, vous puissiez aller rencontrer Jésus-Christ. Mais une fois mourir, sans être baptisé au nom de Jésus-Christ, vous serez perdu. Ici, on l'avait fait pour empêcher Papa Simon Kimango de fuir. On l'avait fait spécialement pour lui, parce qu'à d'autres endroits, il n'y en a pas. On a fait ça pour lui. C'est à cet endroit ici, Papa Simon Kimango, quand il y a une récréation, quand il y a un temps de repos, il aimait se retirer vers ici. Et lorsqu'il arrive ici, tous les prisonniers les suivent. Il commence à lui poser des questions. Kimbangu, mais dites-moi d'abord, est-ce que moi je vais sortir de la prison ou bien je mourrai ici? Il y a à certaines personnes, il leur dit, toi, non, toi tu ne vas pas sortir. Toi d'ailleurs, on va te prendre ici. Hein? En ce moment-là, les types sautent vraiment de méchanceté là-bas. Toi Kimbangu, qu'est-ce que tu me fais, que tu cherches de moi? Hein? Tu es sorcier ou quoi? Non, toi tu as dit que je te dis, je sais qu'il y a comme sort. C'est ce que je t'ai dit. Et l'autre qui dit, mais alors moi, regarde d'abord moi. Papa Simon Kimango regarde, il lui dit, mais toi, d'ailleurs demain tu sors. D'ailleurs demain tu sors, on t'a fait souffrir pour lui. Et au lendemain, le type il est en plein. Allez, dis, tu prends tes souliers, tes habits, allez, tu pars. C'est ici. Et c'est ici où papa prophétisera maintenant l'avenir de ce pays. C'est ainsi que papa Kanzomba, quand il est arrivé ici, il causait avec Simon Kimango en disant que je suis votre frère, je suis venu vous saluer, ainsi de suite. Il lui a dévoilé tout. Écoutez, dans 16 ans, c'était en 44, en 1944, papa Simon Kimango lui dit que dans 16 ans, ce pays va accéder à la souveraineté. Tout ce que vous voyez ici, ignominière, magasin, tout ça, ça restera dans les mains des Congolais. Eux-mêmes vont diriger le pays. Ils vont maintenant prendre la gestion de leur bien public. L'endroit où nous trouvons présentement,
Il y avait une cuisine. Il y avait une cuisine ici. Lorsque papa Simon Kimbangu était fait cuisinier, alors il y avait une cuisine ici. Il préparait la nourriture des prisonniers. Et là-bas, il y avait un magasin de vivres là-bas. Il y avait un magasin de vivres. Et à cet même endroit, papa Simon Kimbangu, toutefois, après avoir travaillé la cuisine, au lieu de manger avec les autres, lui disait qu'il a sa nourriture à lui. Alors, la nourriture descendait du ciel à cet endroit-ci. La nourriture descendait du ciel. C'est ce que papa Simon Kimbangu prenait. J'ai eu le témoignage d'un type qui était soldat parmi ceux qui gardaient papa Simon Kimbangu en prison. Je l'ai trouvé dans les territoires de Kapanga. Qui s'appelait? En tout cas, excusez-moi, je n'ai pas fait l'attention pour connaître le nom. Je l'avais fait venir quand nous sommes allés en tournée là-bas. Lorsque j'étais passé des districts, on m'a dit qu'il y a un type parmi lesquels, papa Simon Kimbangu vivait avec en prison, mais n'était pas prisonnier, lui était soldat parmi ceux qui les gardaient. Je l'ai appelé. Est-ce que vous avez vu Kimbangu? Oui, papa, m'a-t-il dit. Cet homme-là, c'est Dieu. On dit, oui, mais tiens, comme vous reconnaissez que les dieux, est-ce que vous priez avec nous dans l'église Kimbanguiste? Non, papa, mais vous savez, le problème des dieux, c'est difficile. Je vous dis, au vu de ce que je voyais faire, c'est papa. Et notre type de la terre, de notre corps ici, ne peut pas le faire. Seul Dieu.